Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale en compagnie de l'ami Hashtag. Salut à toi. Salut. Alors, je sais plus où on en est dans les vidéos, je dis franchement, je pense qu'on en est à 4ème ou 5ème, je pense. 5ème, on a présenté ton deck sorcier, on a présenté deux decks sans légendaire, on a fait du Serial Killer, effectivement, on est en 5ème deck. Et là, il va pas me dire, je ne sais pas de quoi va parler la vidéo, il me fait un deck surprise, voilà. Ouais, alors c'est un deck qui est assez original, on n'en voit pas beaucoup en ce moment. Et du coup, il marche bien en plus en ce moment, je monte un peu avec. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de le faire en vidéo. Du coup, je vais lancer une game et on va découvrir ça ensemble. Allons-y, je découvre comme vous les amis, je suis curieux. Je vais découvrir maintenant, donc la miniature je la ferai après. Alors peut-être je vais vous faire comme vous, voilà, surprise. Je sais pas ce que je vais faire en miniature, des points d'interrogation partout, comme certains y font. Je sais pas, surprise. Oui, attends, je ne vois pas. Tu es combien? Je suis très loin. C'est bon, je t'ai trouvé. Tiens, oh, très loin, ça va, t'es bien, 11ème. Ouais, on va remonter je pense, et ce deck là il est sympa parce qu'en plus il fait des 3 couronnes rapidement. Donc ça c'est cool. Écoute, on est tout oui, on demande qu'à voir. Ça va changer aussi des decks géants qu'on a présentés au début de cette série. Ok, pas de géant donc, très bien, on en sait un peu plus. Pas de géant, pas de géant. Bon alors par contre là il faut que ça matchmec parce que là ça matchmec pas. Il faudrait, c'est vrai que c'est mieux pour tourner. Lancez les joueurs, lancez, il est minuit 18 à l'heure où je vous parle. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a qui sont partis se coucher. Ils se sont dit on est pris en otage en ce tournoi de 3 heures. Il reste 1h13. Il reste 1h13 effectivement à la fin de ce tournoi. Mais là faut quand même qu'ils s'activent les amis là. Faudrait pas qu'ils nous pourrissent la vidéo. Allez, on veut une game les amis, on veut une game. Y'a plus personne qui attaque là, qu'est-ce qui se passe? Si y'en a qui jouent pourtant en haut là. Écoute, je ne sais pas. Alors j'attends, bon bah enfin qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur combien d'élixir? Il coûte très cher. Il coûte très cher. Il coûte 4,1 d'élixir. Sans pompe. 4,1, il n'y a pas de pompe dedans? Il n'y a pas de pompe dedans. Ah ouais, deck Xeros, ok. Il y a beaucoup de légendaires? Il y a deux légendaires. Il y a deux légendaires. Ok, deux légendaires. Un deck à 4,1. Il y a peut-être du Molos? Peut-être. Ah, ne veut pas nous dire, hein, ne veut rien lâcher. Mais on veut une game là. Moi aussi, je voudrais bien. C'est parti les amis. Après une brève interruption. On a attendu une minute, deux minutes, que se lance une game. Il est contre Marcus Indestructible. Je sais pas si c'était le même que tout à l'heure. Si, je crois que c'était lui. Je crois. Indestructible, ça me dit quelque chose. Marcus, j'étais plus sûr, mais je crois que c'est lui. Qu'avait-il comme deck? Je ne m'en rappelle pas. Ah bah tiens, je crois que c'est lui que tu avais pris dans Serial Killer. Je crois qu'il avait ton deck. Je crois qu'il avait ton deck géant sorcière. Mais avec les petits gobelins à la place des... Ah non, apparemment non, je sais pas. Bon, écoute, on va découvrir. Non, parce qu'il n'y avait pas les gargouilles, je crois. Ah bah ici la sorcière par contre. Alors peut-être varier. Ouh. Alors t'as du ballon, pardon, excusez-moi, je baille. Ça y est, ça commence. J'ai du ballon. J'ai du ballon. Il y a 4,1. Il y a du ballon. Et il y a du mineur aussi. Il y a du mineur. Ok, bon on a vu hein, fléchette. Ah les fléchettes à l'ancienne. Puis boule les de fléchettes feu. À l'ancienne, ouais. Ah, petite boule de feu qui va. Peut-être. Ouais, ah pas loin. Ouais. On fait un peu de dégâts, il a géré. Ouais, je vais pas défendre parce que bon, je vais séparer les dommages sur mes deux tours. Ouais, et puis ça va pas mettre non plus masse dégâts. Et le molos. Ah bah voilà, j'avais deviné hein. 4,1, ouais. 2 légendaires, me dit ouais, pas besoin. Donc molos mineur, alors voilà. Le fameux combo molos mineur, ouais. Le combo molos mineur que j'avais pas vu, que j'avais dit à un moment donné dans je sais plus quelle vidéo. Bah tiens, molos mineur, j'avais pas trop vu. Et bah là, on va le voir. Tu vas voir, ouais, c'est assez sympa. Mon micro va bien là, j'ai cru entendre un grésillement. Non, ça va. Tout va bien, ok. Petite boule de feu ici qui va partir. Le mineur qui va venir gérer ça. Très bien, dans le dos de la sorcière. Par contre là derrière, alors voilà, hop là. Ça c'est pas mal les roquets de lave maintenant qu'ils vont gérer là. Ouais. Ah, il a utilisé 5 pour les gérer. Mais il a payé beaucoup là. Mmh. Il a payé beaucoup dans cette def. On arrive en plus en double élixir, donc là je vais commencer à me faire plaisir. Petit ballon des familles, le molos qui va se mettre devant j'imagine. Ouais. Attention. Ah. Et non. Et non, barbare. Non, des barbares, ouais. Alors, on va mettre la boule de feu pour pousser la sorcière vers les barbares. Ça l'a pas fait, mais j'ai bien aimé l'idée, moi. Ouais, parfois ça marche. C'est assez marrant à faire. C'est pas mal, vous avez entendu ça, la boule de feu pousser la sorcière pour qu'elle revienne sur les troupes qui étaient devant les barbares et pas sur le. Qu'elle laisse tranquille le ballon, quoi. Alors, mini PK, alors le gros PK, ça c'est magnifique, les petites gardes comme ça là qui gèrent un gros PK, ça c'est génial. Mmh.
se mettre les garous quand même. Bah pour, allez, parce qu'il avait, il avait consolidé avec des petits gobelins quand même. Ouais. Pardonnez-moi. Et là, je vais carrément envoyer double sort. Comme ça, la sorcière, elle est morte. Et oui, à 9 secondes de la fin, et ça fait la différence, hein, parce qu'il est très loin, lui, derrière. Et ouais, ça il, prend. Il a fait la boule de feu. Très sympa, ça, les amis. Ouais, très sympa. Le deck, franchement, est super sympa à jouer. Et c'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment, en plus. C'est pour ça que j'aime bien. Ah ouais. Ah ouais, très original. J'aime bien. Ça me change un peu, là. Ouais. Et c'est d'ailleurs un deck que je vais... On va en revoir, là. Bah écoute, je lance. C'est un deck que je vais présenter sur ma chaîne. Bon, à l'heure où je parle, c'est pas encore fait. À l'heure où sortira la vidéo, je pense que ça sera fait. Je vais faire une petite présentation sur ma chaîne avec tous les détails. Donc si vous êtes intéressé. Voilà, avez-vous intéressé encore une fois? Attends, je cherche. Oh, t'as le temps, hein, c'est le temps que... On a, ah oui, on a à peu près 5 minutes. Vrai, voilà. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Alors c'est bon, alors il n'y aura pas de coupure là-dessus. On va y aller tout de suite. Voilà, ça y est, les gens se remettent à jouer. Petit quotidien des familles. Et on va regarder. Donc un petit molos mineur. Ouais, molos mineur ballon. Enfin, molos ballon en fait. Le mineur, il vient plus en combo additionnel. Bah ouais, parce qu'il vient un peu clean et tout ce qu'il voudrait défendre. C'est ça. Sur le ballon, ouais. Et ces barbares aussi qui se mettent devant, là, qui empêchent un peu de target le ballon. Ouh. Alors là, par contre, ça c'est pas mal joué, ça. Ça va pas suffire, je crois. Si, ça va suffire. Ça va suffire, mais là je vais être obligé de balancer ça pour gérer la princesse. Ouh, Ogrider. Ogrider. Ah ouais, là j'avais pas les barbares. Ça c'est mauvais. Mais encore une fois, c'est pas hyper grave non plus. On peut se prendre des dommages avec ce deck. Hein. Vu qu'on a une offensive très très puissante, on peut se permettre d'essayer, tu sais, de faire de la value en élixir. De gagner de l'élixir sur le dos de l'adversaire comme ça en prenant quelques dommages. Très intéressant. Je regarde, je look. Alors comment tu l'utilises, comme ça si j'ai envie de le jouer. Ouais, bah tu pourrais te faire plaisir. Bah ouais, mais il y a déjà quelques decks que t'as joué que je voulais tester là. Ça bon. En faire de plus. Là, c'est très lent par contre quand même deck, hein. Il faut bien le prendre en compte. Bah le molo, ça c'est sûr que on a déjà vu plus rapide. Allez hop, la petite boule de feu. C'est ça. La Tesla qui est pas très très grave. Tu l'attendais. Le mineur. Ah bah il a bien... Bien deviné où tu allais le mettre, alors les roquettes de lave qui, non, pourront pas faire quelque chose. Pas très grave, encore une fois. On attend en fait le double élixir pour vraiment mettre une énorme pression. Allez, t'es pas loin dans 10 secondes, hein. Ouais, les barbares pour défendre ça. C'est parfait, ça va nous faire un combo en plus en contre-attaque. Bah oui, si ça se remet devant, quoique il boule de feu bien, hein, donc. Ouais, il a pas eu le ballon, par contre. Non, il a pas eu le ballon. Flèche ici, tranquillou. Donc effectivement, s'il me passe à Tesla. Ah, bien joué. Petit retour Tesla. Ouais. Ça gère. Mais du coup, moi, c'est parti avec mon petit combo. Et là, ouais. Et là, on se fait plaisir. Donc effectivement, hein, deck 4.1, donc on imagine bien que ça se passe mieux quand on est à 1 minute de la fin. Avec le double élixir, comme tu me disais. Ça, ouais. Petite gardouille au fond du jardin qui va gérer au passage. Ah, il a pas mal de petits zap. Attention, là. Faut pas qu'il prenne trop. Voilà, c'est encore gérable. Là, normalement, voilà, si tout se passe bien. Mais plutôt pas mal. C'est maintenant que ça va se jouer, je pense. Hein. Ouais, et là, évidemment, on met la pression. Je remets carrément un molosse devant. Ouais. Là, il est... Et là, full pression. Full pression. Allez, on veut que ça tombe maintenant. Bien sûr. Hop, les petites flèches. Tranquillou. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Il faut juste que la Tesla. Là... Ah, le mineur aussi, très bien. On va se faire un petit combo. Et voilà, boule de feu. Et oui, on ça va gratter. Ah, c'est pas loin. Je pense pas que ça va finir, mais c'est pas loin. Finit pas, non. Et attention maintenant. Barbare. Alors, on a 3 minutes d'overtime. Il a envoyé boule de feu. Ah, il avait encore de la ressource. Hein. Il a. Et c'est serré. On va... Là, je vais cycler sur mes sorts et sur mon mineur pour le finir. Bah, là, je pense que si c'est maintenant que tu. Ouais, et là, il faut finir, sinon j'ai peur que ce soit lui après. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que là, sinon, il fait son push. Cochon, alors attaque, boum, 218. Et... Non, les roquets. Aïe. Il va refaire son cochon. Ouais, c'est pas très grave. Il va pas m'avoir, il va juste m'avoir avec la boule de feu. Voilà, très bien. Et là, s'il défend pas, attention, petit... Hop, là, petit coup. Et allez, fléchette. Ouais, évidemment. Et voilà. On a eu un peu peur, hein. C'était... Il a bien défendu, en fait.
Donc, on a un peu peur, mais c'était beau. Ah, il a bien défendu. Maintenant, on est où dans le tournoi hein. Ah bah vas-y, enchaîne. Hein. J'enchaîne. Ah, c'est enchaîne. Ah, cette fois, on est contre un bon joueur. Enfin, un bon joueur. Un joueur qui a beaucoup de trophées. Allez, de Black Phoenix. Je le connais pas. Genesis Tox 30. Il est content. Apparemment. Formidable. Ouh, bien pour moi, ça. Allez. Enfin, bien pour moi, tout est relatif. Allez, parce que défendre, c'est un petit peu une plaie. Et je vais me prendre pas mal de dommages. Et sa princesse m'a totalement défoncé. Donc, bien pour moi, bon. Elle est encore là, ça le problème. Et il met son mini P.K. devant, voilà, ça casse bien les pieds. C'est... Ouais, c'est bien relou, il met un coup, la princesse, ouh, là, il a parfaitement géré. Là. Ouais. C'est compliqué, on va dire. Ouais, bien joué de sa part. Bon, l'avantage, c'est qu'avec un... j'aime pas ça. Alors, ça, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Non. Enfin, pas du tout le ballon. On a déjà joué contre lui, il me semble. Ah. Ça serait pas le cochon. Si, c'est le fameux cochon... fameux cochon ballon chelou. C'est ça. Qui nous a fait une fin de game épique. C'est ça, c'est lui. Et dis donc. C'est pour ça qu'il est content de te revoir. Il se dit, attends, moi, ça y est, moi, j'ai l'habitude avec toi. Ouais, alors il va pas non plus se mettre trop à l'aise tout de suite. Oh là là. Il est abusé, ouais, ce garçon. C'est un deck cochon et je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de défense aérienne. Donc en l'occurrence, je me demande comment il va gérer ça là actuellement. Je pense pas qu'il va gérer ça. Je ne pense pas non plus. Mais. Ah, une tour de l'enfer, mais un petit peu tard. Même beaucoup trop tard. J'aimais juste une réserve concernant sa possibilité d'aller récupérer facilement les 1600 points qui restent sur ta tour du roi. C'est juste ça qui me fait peur. Non. J'espère qu'il fasse un très bon push et. Non, jamais. Je me ferai jamais avoir. Bah. Bon. Je. Hein, je pray for hashtags. Bien joué, dit-il. Merci, lui répondit-il. Voilà les petits merci, les petites formalités d'usage. Bon, alors ok, barbare, petite gargouille, ça c'est bien pour gérer la princesse relou. Ouais, alors est-ce que ça le gère? Le boss au fond du jardin, là par contre, voilà, c'est ce que je craignais. Comment tu gères ça, le ballon là? Fireball, ça suffit. Ouf, là. Il va mettre un coup, mais regarde ce qui arrive. Ben, oui, mais c'est lent. Je vais les jouer autant. Je vais foncer maintenant. Il peut peut-être choisir de ne pas défendre et vite. Voilà, tu vois. C'est ça. Si, il va te refaire la même que l'autre fois, quoi. Et c'est regarde. Hack. Est-ce qu'il va. Ah oui, bah et oui. Et voilà. Ah, j'ai une analyse de la situation quand même qui. C'est ce que je craignais, ça. Ah, il a bien joué. Il a mis mal dès le début. On n'a pas pu rattraper. Ah, il a bien joué. Oh, une petite dernière. Ouais. J'en ai perdu combien là dans ce. Ah bah je sais pas là, je sais pas. Plus. Je sais plus. Ah, c'est mauvais ça. Mais écoute, c'est pas simple hein. Et ça fait partie du tournoi, ça fait partie des difficultés. On monte, on a voilà, et des decks en face différents, variés. On peut pas gagner tout le temps donc. Ouais. Bon, après ce deck marche, j'ai monté à 4000 trophées tout à l'heure avec. Donc, eh ben oui, et t'es déjà en game. Après ça. Oh oui, bien sûr, je suis parti, moi j'ai pas le temps. J'ai pas vu la début de game, donc là du coup il y a un ballon, il y a des mousquetaires, il y a une mousquetaire qui était là. Boum. Petit coup dans le dos sur la mousquetaire. Synergie fusion. Attention à synergie fusion, je crois qu'il t'avait posé des problèmes ce synergie fusion. Ouais, il me semble. Méfions-nous de ce joueur, il joue le. C'est pas lui qui joue le Trifecta là. Ah peut-être. Ah oh, Trifecta encore, on en a déjà eu. Au secours. Ouais. Ah bah si, c'est clairement ça, là. Ça y est, le petit squelette, voilà, c'est ça, c'est lui. Oh non, c'est une blague. Ah si, son deck, je sais, je peux te dire qu'il y a le zap, et il y a... Attends, qu'est-ce qu'il manque comme carte qu'il a pas dévoilée? Oh bah c'est un Trifecta classique. Oui, bah attends, c'est quoi la classique qui reste? Je sais pas. Bah je sais plus non plus. Je sais pas quelle carte pardon, extracteur. Voilà, extracteur. Oui, c'est ok. Extracteur. Et ouais. Le zap qu'on n'a pas encore vu qui va arriver certainement. Donc après, voilà, le problème des decks Molos Ballon, c'est que parfois tu tombes contre des match-up, tu peux juste rien faire. Là, en l'occurrence, il va me prendre ma tour. Ah non, il décide de défendre. Il décide de défendre, il se sent bien. Ok, c'est un choix. Il dévie pas mal de ballons, par contre, il peut peut-être perdre son extracteur. Ah, la mousquetaire qui tire quand même sur mon truc. Ouais. Mais il a perdu quand même beaucoup d'élixirs là, c'est ça que je comprends pas trop.
écoute. Là, il va pas avoir de coups. Il remet une couche. Là, c'est pas mal pour toi. Hein. Si seulement tu pouvais. Voilà, un petit mineur comme ça, ça peut être cool. Là, comme ça, ça va le quitter son. Voilà, ouais. Ça, c'est pas mal ce que tu fais là. Ça va. Et j'ai l'impression que son cochon, c'était défensif là. Quoique, ah ouais. Il a mis aussi des coups. C'était pas que défensif. Ah, il s'en sort bien. Hein. Ouais, il s'en sort bien. Mais si j'ai la tour, ouais, c'est à moi l'avantage. Alors, en fait. Attention, parce que. Il sait que t'as un déclin, il peut tempo, il reste 20 secondes, ouais, il remet un truc, il te fait tourner, il peut te. Voilà. Et il l'a bien joué là. Oups. Il a eu le. Ah, ça va être juste. Est-ce que. Oh là, est-ce qu'on va avoir un truc épique ou pas? Est-ce qu'il a. Non, il a juste c'est un poison. Fini. C'est trop lent le poison. Non, c'est pas fini parce qu'il a pas fini. Ah non, c'est pas fini, mais. Non, c'est pas fini, il a pas la tour. Il a un poison. Ouais, mais il a un poison. Oui, c'est trop lent. Il a un poison. Oh, oui. Le poison était trop lent. Énorme. Donc j'ai maintenu la pression et j'ai bien fait. Oh, mon petit cœur qui bat là. Faut pas me faire des choses comme ça là. Bon, c'était chaud, mais j'ai très bien géré c'était la fin. C'était chaud, et c'est très bien pour une fin de vidéo. Tu vois qu'on reste comme ça avec un moment épique sur la fin. D'accord. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu mal à mon hashtag quand même. Hein. Oh, très non. On est sur 3 victoires, 1 défaite finalement. Donc ça va. Je sais plus. Je te fais confiance. Je viens de vérifier. On me dit que j'ai plus d'espace sur mon disque, donc je vais vite vous dire au revoir sur cette vidéo. Merci, cher ami. Mais de rien, un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Je sais plus si on va encore en faire une autre ou pas. On voit ça. Enfin, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas aussi à checker la sienne, comme je vous le dis souvent. Voilà, la bise à tous. Petit like des familles qui fait plaisir. Hashtag salut. Bye. Moi je vous dis ciao.